Salutations les Watchers, c'est Azem. Et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va se pencher sur l'exploration d'un des monuments les plus iconiques de la saga, la Tour de Cristal. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. La Tour de Cristal, également connue sous le nom de Tour de Circus, traduite à l'origine par un fan comme la Tour de Silx, est un lieu de Final Fantasy III. Le sorcier Xande a établi sa base ici, car c'est le lieu où le déséquilibre entre la lumière et l'obscurité est le plus fort. Il contient un portail vers la terre interdite, Eureka. Après avoir obtenu les 4 éclats, les guerriers de la lumière traversent le Dédale antique et la Tour de Cristal afin d'affronter Xande. Cependant, en haut de la tour se trouve un miroir entouré de 5 dragons. Quiconque regarde dans ce miroir subira la malédiction des 5 dragons et sera incapable de bouger. Pour sauver les guerriers de la lumière, les âmes de Doga et Unei recherchent 5 personnes au cœur pur qui pourront briser la malédiction en se tenant devant chacun des dragons. Cid, Sarah, Desh, Alus et l'un des quadruplés sont convoqués dans la Tour de Cristal et permettent aux guerriers d'atteindre le sommet de la tour et d'affronter Xande. Après que les guerriers de la lumière aient vaincu Xande, le nuage de ténèbres ouvre un portail vers le monde des ténèbres pour ramener tout au néant. Les guerriers de la lumière affrontent le nuage de ténèbres, mais ils ne font pas le poids face à sa puissance et sont facilement vaincus. Après avoir été restaurés par les esprits de Doga et Unei, le groupe entre dans le portail pour vaincre le nuage de ténèbres. La Tour de Cristal a son propre thème éponyme, dont la version NES a ensuite été utilisée comme piste bonus pour Dissidia Final Fantasy. Un arrangement a également été utilisé dans Final Fantasy Fable Chocobo Dungeon, et un arrangement sur le thème de Noël a été réalisé pour la musique X-Max Collection 2 de Square Enix, où il est mélangé avec deux autres pistes de Final Fantasy III. Il est également utilisé dans Theaterism Final Fantasy et dans de nombreux jeux où l'édifice fait son apparition. La Tour de Cristal apparaît comme deuxième arène pour Final Fantasy III. Elle est basée sur les environs de la tour, avec les murs du Dédale antique qui entourent la tour. L'arène est principalement plate, avec la tour au centre que les joueurs peuvent gravir à une certaine hauteur et diverses plateformes. La zone au sol contient des arbres qui peuvent être détruits. La Tour de Cristal n'a pas de version Omega. Au cours du 12e cycle, Laguna découvre une rose sauvage et la donne à Firion, dans l'espoir que cela l'aidera à retrouver plus rapidement sa mémoire. Lorsque Firion part, Laguna commence à parler avec Squall de toutes les personnes qu'ils ont rencontrées et du fait que Squall ne devrait pas s'isoler socialement d'eux, car ils n'auront peut-être même pas la chance de se dire au revoir le moment venu. Au cours du 13e cycle, Cécile et Terra parlent de ce qui les attend peut-être à la maison. Alors que Terra s'inquiète de ne rien avoir à son retour, Cécile la rassure que même si elle n'a personne pour l'accueillir, elle peut toujours se faire des amis quand elle y sera, comme elle l'a fait dans ce monde. La Tour de Cristal, également connue sous le nom de Tour de Circus, est un lieu de Final Fantasy XIV. Située sur le territoire de Mordona, elle est initialement connue pour avoir accueilli la première série de raids en alliance destinée à 24 joueurs. Son rôle a été considérablement élargi dans Shadowbringers lorsqu'une structure apparemment identique est apparue dans le premier reflet autour de laquelle fut bâtie la ville de Crystarium. Selon d'anciennes écritures, au plus fort de sa prospérité, l'Empire Alagua a conçu une tour resplendissante forgée en cristal qui collectait et stockait l'énergie du soleil. La tour avait de nombreuses défenses, y compris des êtres anciens ressuscités et augmentés par la technologie alagoise. Lorsque l'Empire Alagua est tombé en déclin à la fin de la troisième ère astrale, Amon a utilisé sa technologie pour cloner le dirigeant fondateur Xande, afin de redonner à l'Empire son ancienne gloire. Motivé par son immortalité, l'ambition de Xande était insatiable et il a conclu un pacte avec le Nuage des Ténèbres pour l'amener, elle et ses frères, du néant en Eorzea pour tout anéantir.
Pour maintenir le portail du néant vers le monde des ténèbres, Xand a commandé la création de Dalamud pour transmettre l'énergie solaire à la tour de Circus. L'énergie résultante était trop importante pour que la tour puisse la contenir et a été libérée de manière catastrophique sous la forme d'un tremblement de terre qui a inauguré la quatrième ère ombrale. Bien que la tour ait sombré dans la terre et soit devenue une légende alors que la civilisation alagoise était en ruine, Amon s'était maintenu, lui et Xand, en stase à l'intérieur de la tour. Les Alagois restants souhaitaient restaurer la tour comme symbole d'espoir pour Eorzea, et la dernière princesse Salina utilisa la technologie pour imprimer son code génétique dans une lignée Mikot dans l'espoir qu'il pourrait réaliser ce rêve. La tour de cristal a finalement été déterrée lors du 7ème fléau avec ses habitants réveillés. Suite à la déclaration de la 7ème ère astrale, Sid Nan Garland décide de lancer une expédition dans la tour à la fois par curiosité pour les technologies à l'intérieur et par peur qu'elle puisse contenir des armes alagoises similaires à l'Ultima Arma. Avec Rambroes de Cinquanac l'aidant à enrôler les aventuriers pour la tâche, Sid découvre que l'entrée de la tour est protégée par des barrières créées par quatre paires de statues appelées les 8 Sentinelles. Un élève de Baldésion nommé Graatia, qui a nommé le groupe d'exploration Noah d'après le nom d'un Alagua, charge le guerrier de la lumière d'acquérir 4 cristaux parfaits et 4 sables éthérés pour que Sid façonne des crocs de cristal afin qu'il puisse s'aventurer dans le Dédale antique. Le guerrier et ses compagnons avancent pour faire face à toute menace dans le Dédale tandis que Sid reste pour étudier les sentinelles. Le groupe d'expédition bat le héros révolutionnaire Alagua déchu Phlégeton, qui a été transformé en garde de la tour. Alors que Sid et son groupe se replient sur le camp pour récupérer, leur expédition attire l'attention de Nero Tol Skaeva. La progression dans la flèche centrale, connue sous le nom de Tour de Circus par l'ancienne Alag, s'arrête car la porte d'entrée est imperméable à toutes les formes de force physique, magique ou magitech. Deux étrangers s'approchent du camp, se présentant comme Doga et Unei, prétendant appartenir aux élèves de Baldésion. Lorsque Doga et Unei ouvrent la porte de la tour, Nero fait son apparition et révèle que la porte ne répond qu'à celles et ceux de la lignée royale alagoise. Doga et Unei sont des clones des sages alagois originaux qui ont été créés pour empêcher Eorzea d'être menacé par Xand ressuscité et avaient eu besoin de l'aide du guerrier de la lumière pour neutraliser la menace potentielle. En escaladant la flèche massive, l'alliance d'aventuriers se fraye un chemin à travers les défenses de la tour, affrontant Amon et finalement l'empereur Xand lui-même. Alors que l'ancien empereur est vaincu, Sid et les autres, dont Nero, arrivent. Lorsque Doga et Unei scellent la porte du néant, Nero rit d'excitation, détectant une source d'énergie au-delà de la porte, plus grande que l'Ultima Arma. Refusant de laisser le pacte être rompu, le nuage de ténèbres convoque un groupe de clones de Doga et Unei pour retenir le guerrier de la lumière, Noah et Nero, tout en entraînant Doga dans le monde des ténèbres avant de saisir Unei. Nero tente d'intervenir mais est également entraîné dans le monde des ténèbres. Alors que la porte se ferme, Sid suggère qu'il retourne au camp. Avec la nouvelle menace du nuage de ténèbres révélée, leur objectif passe de l'étude des reliques alagoises à la lutte contre le dangereux monstre du néant. Ils apprennent que la tour de cristal agit toujours sur l'ordre de Xand de rassembler de l'énergie pour le nuage de ténèbres et ne peut être arrêtée que par quelqu'un de sang royal alagois. Après que Sid ait terminé la machine qui produirait une porte du néant, le guerrier de la lumière et Graa s'aventurent dans le monde des ténèbres. Après avoir affaibli le nuage de ténèbres, le guerrier et Graa trouvent Doga, Unei et Nero, mais les deux clones décident de rester dans le monde des ténèbres pour retenir le nuage de ténèbres. Graa se révèle être de la lignée royale alagoise et Doga et Unei lui transfèrent leur sang pour augmenter ses pouvoirs, lui permettant de contrôler la tour de cristal. Graa et le guerrier de la lumière retournent en Eorzea et Nero s'échappe également. Graa dit au reste de Noah que le sang de Doga et Unei lui a révélé le secret de sa propre lignée et son but, dans l'intention de sceller la tour de cristal avec lui-même à l'intérieur. Graa souhaite faire du rêve de Salina une réalité
et fait ses adieux à ses compagnons qui promettent de l'aider. Dans un futur alternatif où le 8ème fléau s'est déchaîné sur Eorzea sous la forme de la Rose Noire, Cid faisait partie des survivants qui cherchaient un moyen d'éviter la tragédie. Ses recherches seront poursuivies par les forges de Garlonde et leurs descendants en combinant les différentes technologies du trône de Xande, Alexander et Omega. Le groupe a finalement trouvé un moyen d'ouvrir la tour de cristal 2 siècles après le début de la 8ème ère ombrale et a réveillé Graa, qui était partiellement fusionné dans la tour de cristal pour en devenir le gardien immortel. Une fois informé des événements qui se sont déroulés pendant son sommeil, Graa accepte de les aider. La tour est transportée à travers l'espace-temps jusqu'au premier reflet, à une époque postérieure au déluge de lumière. Graa construit le refuge du Cristarium autour de la tour de cristal, devenant par la suite le dernier bastion de Norvrand contre les Purgateurs. Après l'affrontement qui oppose Eidibus au guerrier de la lumière, l'âme de l'Assien est emprisonnée dans la tour de cristal. Plus tard, lors des événements de Endwalker, alors que l'apocalypse fait rage, Graa suggère au guerrier de la lumière de rencontrer Eidibus, dont l'âme est restée piégée dans la tour de cristal sur le premier reflet, afin d'obtenir des informations sur la fleur Elpis. Avec l'aide de la tour de cristal, Eidibus parvient à ouvrir un portail temporel qui mène le guerrier de la lumière à l'époque des anciens. La tour de cristal est un donjon situé dans la région de Grimoire dans World of Final Fantasy. Il est visité pour la première fois au chapitre 19 et est le lieu de départ du chapitre 20. Ren et Lan regardent des escaliers brillants lorsqu'une femme encapuchonnée apparaît de nulle part et leur dit que s'ils montent ces escaliers, ils trouveront la tour de cristal et leur mère, Lusfarna. Lan est enthousiaste et prêt à grimper, mais Ren s'inquiète des motivations de cette femme étrange qui disparaît. Alors au pied de la tour de cristal, ils trouvent Terra bloquant leur chemin qui les attaque. Ils parviennent à assommer Terra et Ren se demande qui elle est et pourquoi elle les a attaqués avant d'entrer dans la tour avec Lan. Au sommet de la tour de cristal, Ren et Lan trouvent Brandelis avec à côté de lui une cage contenant une femme piégée à l'intérieur. Ren et Lan triomphent de Brandelis et la femme encapuchonnée apparaît à nouveau et leur dit que s'ils activent la porte Ultima, ils devraient pouvoir détruire la cage. Ren pense qu'il s'agit de Oin, ce qui pousse les jumeaux à lui faire confiance et ouvre la porte qui détruit la cage. La femme dans la cage semble être Oin et les jumeaux sont surpris de découvrir qu'il ne s'agit pas de la femme encapuchonnée qui disparaît sous leurs yeux. Alors que l'endroit change, Terra et les autres se précipitent pour retenir un portail et Segureid et Pelinor font leur apparition. Le portail déverse des mirages sur le monde et Lan et Ren sont sauvés par leurs amis qui les évacue de la tour de cristal. La tour de cristal est un événement récurrent dans Final Fantasy Record Keeper. Le donjon a été mis à disposition pour la première fois sous forme de bêta lors de la parade du 30e anniversaire de Final Fantasy et a été publié dans son intégralité le 24 janvier 2018. L'objectif de la tour est de vaincre un nombre important de boss. Chacun est trié dans son propre donjon, l'endurance n'étant consommée qu'à la victoire. Les guerriers errants sont interdits, mais le joueur peut faire appel au Dr Mog pour obtenir de l'aide à la place d'un guerrier errant. Le gimmick unique de la tour de cristal est que lorsqu'un joueur bat un boss, les membres du groupe qu'il a utilisé ne peuvent pas être utilisés contre les autres boss. Cela signifie que le joueur doit avoir un certain nombre de personnages puissants pour terminer la tour. Le joueur peut combattre un boss pour changer les membres du groupe interdit par ceux du nouveau groupe utilisé, libérant ainsi les anciens. Après avoir vaincu tous les boss actuels, le joueur reçoit un écran de victoire indiquant le groupe qu'il a utilisé dans chaque combat. Bien qu'il n'y ait pas de pénalité pour l'abandon d'une tentative d'un boss, les récompenses des missions de Cid sont attribuées aux joueurs qui peuvent battre les boss de la tour de cristal sans interrompre la tentative ou plus de récompenses accordées pour les joueurs qui battent le plus de boss. De plus,
Chaque donjon a ses propres récompenses de maîtrise et de première fois que le joueur peut gagner comme n'importe quel autre donjon. Maîtriser un donjon n'est pas nécessaire pour terminer la tour de cristal, et comme le joueur peut tenter la tour de cristal autant qu'il le souhaite, il peut réessayer le boss pour terminer la maîtrise plus tard. La tour de cristal fait également des apparitions dans d'autres jeux de la série. Dans Final Fantasy Tactics, Dissidia Final Fantasy NT, Theaterism Final Fantasy et sa suite Curtain Call, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Brave Exvius, dans la série de jeux Itadaki Street et dans Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Voilà qui conclut cet épisode concernant cet édifice majestueux qu'est la Tour de Cristal. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous voulez vous lancer un défi de taille, je vous conseille de trouver cette tour légendaire et de la gravir. Je vous garantis que vous aurez la stature d'un guerrier de la lumière et que vous serez on ne peut plus près pour regarder le prochain épisode de L'éclat du cristal.